Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale qui sera évidemment consacrée ce soir aux attaques terroristes qui ont eu lieu aujourd'hui en Isère ce matin où un homme a été retrouvé décapité et où un suspect a provoqué une explosion sur un site de gaz industriel, un attentat a affirmé François Hollande. Attentat également en Tunisie où sur une plage de Sousse, un homme a tiré sur des vacanciers faisant au moins 27 morts. Alors quelle réponse face au terrorisme? Quelles conséquences en France et en Tunisie? Nous en parlerons avec nos invités. Et tout au long de cette édition spéciale, Alain Richard, sénateur socialiste du Val-d'Oise et ancien ministre de la Défense, et Yves Pozzo di Borgo, sénateur centriste de Paris, seront en plateau à mes côtés. Mais avant de développer ces questions, que s'est-il passé exactement ce matin à Saint-Quentin-Fallavier en Isère? Les faits nous sont racontés par Paul Bouffard. 10h ce matin, une forte explosion secoue le site de la société Air Product. L'attaque est menée par un ou deux individus à bord d'une camionnette. Ils auraient forcé le barrage à l'entrée de ce site classé Céveso. Dans la cour, le véhicule percute des bonbonnes de gaz provoquant l'explosion. Un des individus tente d'ouvrir des bouteilles d'oxygène pour déclencher une seconde détonation. Les forces de sécurité, pompiers et gendarmes interviennent, ils maîtrisent le suspect. Un homme décapité est retrouvé sur les lieux de l'attentat, sa tête accrochée à plusieurs dizaines de mètres de son corps sur le grillage de l'enceinte. La victime est l'employeur d'un des assaillants, âgé de 45 ans, dirigeant une entreprise de transport dans la banlieue lyonnaise. Deux autres personnes sont blessées dans l'explosion. Un drapeau islamiste est retrouvé sur le site de l'attaque. Air Product, une unité du groupe américain spécialisé dans la fabrication de bouteilles de gaz industriels. Ce matin, une quarantaine de salariés se trouvaient sur le site. Tous ont été évacués. Situé sur une zone industrielle du département de l'Isère, nous sommes à Saint-Quentin-Fallavier, entre Lyon et Bourgoin-Jallieu, à seulement 15 minutes de l'aéroport international Saint-Exupéry. Et pour faire le point sur les derniers éléments de l'enquête et évoquer le suspect interpellé ce matin, nous rejoignons Louis Sibyl. Quelles sont les informations dont nous disposons à l'heure actuelle, Louis? Eh bien, on commence à en savoir un petit peu plus sur Yacine Sali, l'auteur présumé de l'attentat de ce matin. Alors, c'est un homme de 35 ans qui vit dans la banlieue de Lyon, de profession chauffeur-livreur, père de trois enfants, une famille très discrète, selon les voisins. Et il était connu des services antiterroristes pour des connivences avec les milieux salafistes. Il avait fait l'objet d'une fiche S en 2006. Une fiche S, c'est une fiche qui est réalisée par les renseignements en cas de radicalisation. Mais cette fiche, eh bien, elle n'a pas été renouvelée en 2008. Et pourtant, la DGSI avait reçu une note selon laquelle Yacine Sali avait eu un changement brutal de comportement. Il aurait perdu du poids et se serait rasé la barbe. Les policiers soulignaient même alors des absences régulières et pendant des périodes allant de 2 à 3 mois, une alerte sans effet puisque Sali ne faisait pas l'objet d'une vraie surveillance contrôlée. Selon plusieurs témoignages, il aurait revendiqué son appartenance à Daesh, l'organisation de l'État islamique. Rien de vraiment confirmé pour l'instant. Yacine Sali, arrêté, a été placé en garde à vue, mais apparemment il ne dit rien. Pendant ce temps, l'enquête avance. Une opération de police est en cours dans l'entreprise dans laquelle il travaillait et sa femme a aussi été interpellée cet après-midi. La BRI a fait une perquisition à son domicile. Elle avait déjà témoigné dans les médias pendant la journée et semblait ne rien connaître des plans de son mari. La sœur de Yacine Sali a aussi été placée en garde à vue ce matin. Et enfin, une quatrième personne a été entendue par la police, mais semble-t-il, elle a déjà été relâchée. Merci Louis pour toutes ces précisions. Et immédiatement après avoir appris la nouvelle, François Hollande, présent à Bruxelles, est très rapidement rentré à Paris, à l'Élysée, où il a convoqué un conseil de défense cet après-midi. Et le chef de l'État s'est exprimé à la sortie, on l'écoute. Rien ne nous fera douter de ce que nous faisons. Et je pense que s'il doit être répondu à des questions, il doit toujours être jugé l'action en fonction de ce qu'est l'intérêt de la France, de notre unité, et ne pas nous laisser détourner par de vaines querelles. Dans ces moments-là, face à ces épreuves, face à ces risques, face à ces menaces, c'est l'unité, le rassemblement et la capacité de la nation à faire face qui permettront de lutter contre le terrorisme avec la plus grande efficacité. Et pour évoquer les conséquences politiques, puisque les réactions sont nombreuses, j'accueille sur le plateau Michael Zamez. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Michael, cet attentat provoque unité nationale ou argument de campagne politique?
Un peu des deux. Il y a eu un message de solidarité, d'émotion, de fermeté, un petit peu tout ça mélangé. Et puis très très vite, on voit bien que la politique a repris le dessus. Des petits coups bas politiques. Vous voyez François Hollande qui a tout de suite dit, même en voulant élever un petit peu le niveau, il a parlé de vaines querelles. Vaines querelles, ça s'adresse directement à Nicolas Sarkozy qui a été très incisif très tôt ce matin, tout de suite après les attentats. Communiquer toute la lumière doit être faite sur cette affaire. Tirer toutes les leçons. Nous, depuis plusieurs semaines, nous demandons à ce que toutes les propositions de notre parti soient prises en compte, sous-entendu. Rien n'a changé depuis janvier. Comprendre également plus de moyens pour la justice, pour la police. Réponse du Parti Socialiste, loi renseignement, 1500 policiers supplémentaires, 260 millions de budget supplémentaire. Que dire de Christian Estrosi, aussi un député des Alpes-Maritimes, pour qui cet attentat valide la thèse de la cinquième colonne. Que dire également du Front National, stop aux grandes déclarations, des marches, des slogans, place à l'action. Réponse du Parti Socialiste, ne jouez pas sur les peurs et les amalgames. Invective. Accusation d'instrumentalisation politique. Vous voyez, on est loin, on est même très très loin de l'esprit du 11 janvier. Merci Mickaël. Le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est rendu sur place cet après-midi et il est avec nous par téléphone. Bonsoir Monsieur Larcher, que Bonsoir. Vous inspire cet acte, vous qui avez décidé de vous rendre sur le site de l'attentat? J'étais au congrès des maires ruraux de l'Ardèche et j'ai vu l'émotion de mes collègues. Et à l'issue du congrès, je me suis donc rendu sur place parce que je souhaitais d'abord exprimer symboliquement à la famille de la victime ma compassion face à un acte indicible d'une barbarie au travers de la décapitation qui est une forme de signature. Et puis j'ai eu l'occasion de saluer le courage du sapeur-pompier et des deux gendarmes qui ont permis l'arrestation du présumé coupable. J'ai vu aussi la solidité des élus locaux parce que j'ai rencontré la première adjointe au maire de la commune, le maire de la commune voisine, la Verpillière, et je dois dire que les questions qu'ils se posaient étaient de savoir est-ce qu'on est terrorisé par les terroristes ou est-ce que, par exemple, pour des choses qui pourraient faire sourire, si ce n'était ces conditions, est-ce que ce soir on fait le feu de la Saint-Jean ? Ce que j'ai ressenti aussi, c'est beaucoup de solidité de la part de mes collègues. Voilà ce premier sentiment, et je dois dire que c'est bien sûr une République qui doit totalement être déterminée et sévir face à la barbarie. Et en même temps, 27 morts en Tunisie, en même temps le Koweït, enfin tout ça ne manque pas de nous interpeller. Justement, Monsieur Larcher, faut-il, comme en janvier, une unité nationale face aux attentats? On a en tout cas l'impression que chaque parti, aujourd'hui, joue sa propre partition. Mais écoutez, moi je ne suis pas dans une partition. Je suis d'abord dans la compassion, je suis aussi dans la solidarité avec les personnels de l'entreprise, car s'il n'y avait pas eu sapeurs-pompiers, ces deux gendarmes, et notamment le sapeur-pompier, il y aurait pu avoir un drame beaucoup plus épouvantable. Et en même temps, il nous faut comprendre. J'ai rencontré le préfet, le procureur de la République. Il faut maintenant de l'action. Et l'action, ça n'est pas pour moi de la polémique, c'est la demande d'un État qui agisse, qui renforce encore la surveillance, mais aussi d'une action qui soit aussi une action européenne et toutes les démocraties face au terrorisme. Merci Monsieur Larcher. Je rappelle que vous êtes donc rendu sur les lieux de cet attentat cet après-midi. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, messieurs les sénateurs, la France frappée une nouvelle fois, moins de 6 mois après les attaques du mois de janvier. Cela se confirme, la France est désormais une cible prioritaire des islamistes radicaux, Monsieur Richard. Oui, il y aura aussi des tentatives dans d'autres démocraties. Nous savions, les pouvoirs publics, les différents responsables l'ont exprimé, que la menace subsistait. Vous avez un mécanisme, au fond, d'influence par l'extérieur, de ce centre d'impulsion terroriste qui cherche à bâtir son État totalitaire sur une partie du Proche-Orient et qui, par message régulier, par une sorte de délégation, au fond, vers des troupes éparses dans les pays européens, cherche à maintenir une insécurité, une agressivité et une coupure aussi entre les musulmans et les autres. Monsieur Pozzo di Borgo, votre première réaction à cet acte barbare qui a été dénoncé par le président du Sénat à l'instant? Comme le président du Sénat, d'abord la compassion pour la victime et puis pour les souhaits d'entreprise. Et puis surtout, on le voit très bien, les félicitations et surtout sur l'action du pompier et des personnes qui ont arrêté. Parce qu'on se rend compte que dans ce genre de choses, eh bien c'est vraiment les hommes et les femmes qui sont de la police, de la gendarmerie,
des sapeurs-pompiers qui sont les plus efficaces pour lutter contre ce genre de choses. Mais si vous permettez, moi je vais faire une remarque plus générale. C'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste que la phare de la France. Là, on parle du Koweït, c'est dramatique. On parle de la Tunisie, c'est dramatique, parce que c'est la deuxième fois. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 2-3 jours, 156 morts ont été massacrés des Kurdes, 156 Kurdes à Kobané. On vient de m'annoncer, je ne sais pas si vous avez l'information, qu'il y a eu 30 morts en Somalie. J'ai été intervenu il y a un an et demi au Sénat dessus en disant que c'est quelque chose qui pénètre le monde musulman et que ce n'est pas uniquement un problème de la France ni de l'Europe. Nous sommes touchés, nous avons raison de suivre le... Moi, je crois que dans ce genre de choses, il faut avoir une unité nationale. Je ne suis pas pour polémiquer, mais il faut savoir que c'est un problème international et que ce problème international, on a trouvé une solution pour le régler, ce qui n'est pas simple. Si vous, on peut peut-être en parler par la suite. Et justement, dans cette guerre globale contre le terrorisme, est-ce que le projet de loi renseignement, qui a été adopté cette semaine définitivement par les parlementaires, est la meilleure réponse pour lutter contre le terrorisme ? Je ne partage pas votre question. C'est une réponse nécessaire. Moi, la meilleure, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas affaire à un réseau constitué avec des gens qui se rencontrent régulièrement, qui s'entraînent ensemble, etc. Nous avons affaire à un système de projection de messages au loin, et de personnes qui s'engagent, qui sont des toutes petites cellules. On va voir quand l'enquête se poursuivra, mais c'est sans doute 2-3 personnes avec un deuxième cercle de gens qui les aident sans bien comprendre ce qu'ils font, mais qui sont atteints, qui sont en contact exclusivement sur le net. Donc si on dit il y a plein d'inconvénients et plein d'obstacles à opérer une surveillance sur le net, on sait qu'on se condamne à une impuissance. Oui, mais cet individu, il a été fiché, il avait une fiche de renseignement. Est-ce qu'il n'y a pas une défaillance des services de renseignement en France, M. Pozzoli Borgo ? C'est un problème difficile. Moi, je crois qu'on a quand même de bons services. J'ai voté contre la loi renseignement. Je considère que les services doivent le faire sans que ça se sache. C'est la raison pour laquelle j'ai voté contre. Je considère que les services doivent avoir les moyens de le faire. C'est secret et qu'on ne doit pas le savoir ce qu'ils font. Et puis cette loi permet d'encadrer aussi. Justement. Mais justement, je trouve que c'est... Oui, mais là, on donne un poids juridique à des choses qui ne sont pas acceptables. C'est voilà. Bon, peu importe, c'est fait, c'est fait. Mais ce que je veux dire, qu'il faut vraiment que nos services aient tous les moyens de surveiller, qu'ils en réfèrent à l'autorité exécutive, avec information éventuellement au Parlement quand c'est nécessaire. Mais je crois que en ce qui concerne la France elle-même, on a deux problèmes. On a d'abord le problème de nous protéger. Donc moi, je crois que l'unité nationale est importante. Et deuxième chose, il y a maintenant avoir une réflexion sur les problèmes internationaux, savoir ce qu'on fait encore à Daesh, savoir ce qu'on fait dans ces zones-là qui sont très déstabilisées, l'Afrique, grande partie de l'Afrique. Il faut savoir que je suis persuadé qu'on voit très bien que ça progresse. Ça va toucher d'autres pays musulmans, ça va toucher les pays d'Asie centrale, je suis presque sûr. Ça risque de toucher la Polynésie, ça risque de toucher l'Indonésie, ça risque de toucher de grands pays musulmans. Parce que c'est un problème qui n'est pas uniquement un problème limité à une région. C'est quelque chose qui est très puissant. Et c'est là-dessus où il faudrait peut-être que... C'est pas simple hein, pour au niveau international, pour les Européens, pour l'ONU, de trouver une solution qui soit collective. Notamment, moi, je m'interroge, j'étais récemment en Turquie pour observer les élections. C'est un grand pays, très puissant. Et c'est vrai que dans cette zone-là, c'est lui qui pourrait régler beaucoup de choses. Mais il a une attitude ambiguë sur beaucoup de situations. Et c'est là où il faudrait peut-être que la communauté internationale des grands pays s'interroge, réfléchisse. Je ne sais pas quelle sera la solution. Est-ce que, par exemple, c'est vrai que nous sommes, nous, dans ces pays-là, hein, nous avons nos avions avec les avions américains qui bombardent tous les jours. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller au sol ? C'est une interrogation, je ne sais pas suffisamment. On évoquera ce sujet dans la deuxième partie du débat, un peu plus tard, dans cette édition spéciale. Monsieur Richard, quand vous entendez les premières déclarations politiques, on a l'impression que l'unité nationale... Aucun intérêt aux déclarations politiques ? Non. Je suis comme Monsieur Richard. Parce c'est nul, c'est pas un sujet de déclaration. Voilà. Mais justement, c'est peut-être un problème que des politiques s'emparent de ces sujets-là pour... Honnêtement, je vous suggère, en faisant votre travail, de ne pas vous intéresser à ça. Monsieur Pozzoli, je pense comme Monsieur Richard. Je considère que c'est un problème d'unité nationale et que la politique doit savoir rester où elle est. Alors beaucoup de déclarations sont des déclarations de soutien à l'unité nationale. Mais on sent quand même qu'il y a une période des attentats en janvier, des attentats en juin. On va rentrer dans des campagnes électorales pour les élections régionales. Personne ne gagnera une voix avec ça. La sécurité va être un thème peut-être central de ces élections. Oui, pas cette sécurité-là. Excusez-moi, mais enfin, qu'est-ce que peut faire un conseiller régional sur les sujets dont on parle ? Il faut quand même traiter les citoyens comme les adultes.
Vous êtes bien d'accord? Donc il ne faut pas se prêter à des enfantillages pareils. Un langage de responsabilité, c'est ça qu'il faut adresser, et une vigilance accrue pour les citoyens. Et une maîtrise de la part des médias. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire du bruit autour de ça. Je pense que c'est très important, l'émotion que l'on a sur ce genre de sujet, il faut la mettre en perspective avec un problème qui est beaucoup plus général. Et je sais que c'est très... En plus de ça, c'est Daesh sont des maîtres en communication. Ils savent maîtriser la communication. C'est tous ces... Enfin, tous ces... Tous ces réseaux sociaux, sur les réseaux, quand vous voyez ces gens à la tête coupée, en fait, on sent vraiment qu'ils sont très forts. On va évoquer les réseaux sociaux pour évoquer les autres réactions politiques, notamment celles des sénateurs qui ont été très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Oui, oui, Jérôme, et à commencer par Gérard Larcher, hein, qu'on a entendu. Le président du Sénat a tweeté et posté des photos de son déplacement à Saint-Quentin-Fallavier avec le sénateur Bernard Saugé. J'ai salué, tweet-il, le courage des deux gendarmes et du pompier qui ont permis l'arrestation. Didier Guillaume, le président du groupe PS du Sénat, en appelle à l'unité, on en parlait. Il écrit « L'horreur également en Tunisie, France et Tunisie unies face au terrorisme ». Le combat pour la liberté est international. Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains, envoie lui un message de fermeté. À nouveau, la barbarie a frappé sur notre sol. La réponse doit être implacable et totale. Gérard Collomb, le sénateur maire PS de Lyon, fait part lui de son émotion. Horrifié par l'attaque terroriste commise en Isère, les attentats de Tunisie aussi, entière solidarité à l'égard des victimes de la barbarie. De son côté, Alain Joyandet, sénateur Les Républicains, reprend une antienne de Nicolas Sarkozy. Nous sommes au cœur d'une guerre de civilisation, mais jamais barbarie et horreur ne nous feront plier. Nos valeurs sont immuables. Le sénateur FN Stéphane Ravier fait quant à lui un parallèle assez hasardeux entre les attentats et l'immigration clandestine. Il tweet « Attentats islamistes, débordement incontrôlable de clandestins, djihadistes français, leur modèle s'effondre en direct sous nos yeux ». Enfin, il faut quand même le dire, la majorité des parlementaires, comme Esther Benbassa, se joint à la douleur des familles. L'horreur terroriste en Isère, à Saint-Quentin-Fallavier, je pense aux victimes, à leurs proches, tout comme Pierre Laurent, le sénateur communiste, tweet « Soutien et solidarité avec les victimes et leurs familles en Isère et en Tunisie, ne cédons pas à la peur ». Vous le voyez, les sénateurs ne font pas dans la polémique. Merci Caroline pour cette revue de tweet des sénateurs sur cet attentat. Attentat, on va revenir après sur le. On va d'abord évoquer la Tunisie, car attentat en France, attentat également en Tunisie aujourd'hui, à Sousse plus exactement, où sur une plage, un homme a ouvert le feu sur des touristes. Le récit de cette attaque signé Pauline Dame. Des cadavres étendus sur la plage de Sousse, une cité balnéaire très prisée des touristes, située à 140 km au sud de Tunis. Quelques minutes après la fusillade, les images circulent sur les réseaux sociaux. Le bilan est lourd, au moins 37 morts et 36 blessés. Parmi eux, ce vacancier, encore choqué. J'étais sur la plage quand j'ai entendu un coup de feu. J'ai regardé mon épouse qui s'est levée et s'est mise à courir. Et alors que je me tournais, la balle m'a atteint au bras. Je me suis enfui dans la mer, ma femme, elle, vers l'hôtel. J'ai vu le tireur faire feu au hasard sur les gens qui étaient sur les transats sur la plage. L'attaque s'est produite en fin de matinée devant cet hôtel 5 étoiles. Selon le ministère tunisien de l'Intérieur, l'homme, armé d'une kalachnikov, aurait ouvert le feu sur les touristes présents sur la plage avant de s'enfuir et d'être rapidement abattu. Il s'agirait d'un jeune étudiant tunisien, inconnu des services de police. Parmi les victimes, plusieurs touristes étrangers, principalement britanniques ou d'Europe centrale. François Hollande ne confirme pas la présence de Français. Une cellule de crise a été ouverte au Quai d'Orsay avec un numéro d'urgence. L'attentat survient près de 3 mois après celui du musée du Bardo. Il pourrait porter un coup fatal au tourisme en Tunisie à quelques jours de l'ouverture de la saison estivale. Et pour parler de cette attaque qui a frappé la Tunisie, j'accueille sur le plateau Kader Abderrahim. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS et spécialiste du Maghreb et de l'islamisme. Alors, quelques mois après les attentats du musée du Bardo à Tunis, le pays est encore frappé par une attaque terroriste, un peu comme la France. La Tunisie, c'est un peu le symbole de la transition démocratique après les printemps arabes.
Est-ce que c'est pour ça que c'est une cible de choix pour les islamistes radicaux? Bon, je pense pas que c'est un lien, mais en tout cas, c'est parce que c'est un pays qui est fragile, évidemment, qui a été fragilisé par les grandes mobilisations populaires de 2010-2011, qui a un peu de mal à retrouver sa stabilité institutionnelle, même si le processus démocratique est amorcé, est en cours, il reste à consolider. Et puis c'est vrai que la Tunisie, c'est un petit pays qui dispose de peu de moyens pour contrôler sa très longue frontière, hein, plus de 700 kilomètres avec la Libye, et on a... Enfin, le gouvernement tunisien, je veux dire, a reconnu qu'il y avait des cellules de l'État islamique, de Daesh, en plusieurs endroits du pays, qui se sont implantés dans le pays maintenant, il y a depuis près de 2 ans, plus de 2 ans même, dans le nord-ouest du pays, le long de la frontière avec l'Algérie, sur le mont Chaambi, déjà des batailles qui durent depuis presque 3 ans et qu'on n'arrive toujours pas à circonscrire, alors que c'est extrêmement limité. C'est une petite vallée, c'est 400 mètres d'altitude, hein, le mont Chaambi. Mais la Tunisie dispose de peu de moyens. Alors c'est vrai que le président Kaïd Sepsi est venu à Paris il y a 2 mois, qu'il a été très très bien reçu, c'était très convivial, très chaleureux, mais il est reparti les mains vides. La Tunisie dispose de 2 hélicoptères pour assurer l'ensemble de la surveillance de son territoire, ce qui est évidemment très insuffisant. Et on voit que cette fragilité aujourd'hui lui est fatale à nouveau après le bardo. Justement, des moyens, il manque de moyens. Et justement, c'est dans son cœur économique et l'activité touristique que la Tunisie est frappée une deuxième fois après le musée du bardo. Là, les plages de touristes à Sousse. Oui, évidemment, les terroristes savent ce qu'ils font. Hein, ils frappent durement. Un stratégique, hein, évidemment, puisque c'est là, on est en pleine saison touristique, même si c'est le Ramadan, et ça concerne aujourd'hui près de 600 000 emplois en Tunisie. C'est quand même le premier poste de rentrée de devises, donc c'est absolument stratégique, c'est essentiel pour la survie du pays, qui a eu beaucoup de mal à se remettre de cette instabilité qu'il a vécue en 2010-2011 et qui aujourd'hui trouve malheureusement son prolongement dans cette tragédie terroriste. La France est frappée, la Tunisie également, on peut faire un parallèle, même si les situations ne sont pas les mêmes. Est-ce que désormais les islamistes radicaux, et notamment l'État islamique, peuvent frapper partout, à tout moment? Il faut s'y préparer. D'abord, je pense qu'il faut être clair, ce sont des terroristes. Il n'y a pas d'ambiguïté, on n'est plus dans une phase de négociation politique comme on l'était dans la période antérieure en Tunisie, avec des islamistes qui participent au processus et au renforcement des institutions. Donc là, on est clairement dans un autre schéma politique, c'est-à-dire d'une organisation terroriste qui s'appelle Daesh, l'État islamique, qu'on la dénomme comme on veut, mais en tout cas qui a décidé d'instaurer le califat dans le monde musulman en dynamitant, pour utiliser une formule un peu triviale, les frontières héritées de l'éclatement de l'Empire ottoman de 1920. Donc aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un processus politique et c'est vrai qu'il faut aider la Tunisie à se renforcer et à maintenir ce processus fragile mais qui est indispensable d'abord pour nous, pour la France, pour l'Europe, évidemment, mais qui peut aujourd'hui essaimer éventuellement dans la région du Maghreb. Justement, Monsieur Richard, vous êtes ancien ministre de la Défense. La coopération avec la Tunisie, notamment, avec les autres pays qui peuvent être concernés par ces attentats, elle est indispensable pour lutter contre l'État islamique qui est, lui, présent partout. Oui, mais vous savez, c'est essentiellement une affaire de renseignement. Vous ne pouvez pas tout surveiller 24 heures sur 24. Vous surveillez des endroits que vous considérez comme plus menacé, enfin, vous n'arrivez pas à tout faire, et c'est vraiment la circulation d'informations et la détection des personnes ou des groupes potentiellement dangereux qui vous permet de vous en sortir. Donc c'est d'abord des affaires de sécurité intérieure. Cela dit, je rejoins ce que disait Yves Dibourgo tout à l'heure, il y a un centre d'initiative, il y a un centre d'émission de messages et d'appel au meurtre, d'appel aux attaques terroristes un peu tous azimuts, et il faut l'affaiblir. Justement, est-ce qu'il faut aller sur place, en Syrie, en Irak, avec des hommes, des forces françaises notamment, une coalition internationale sans doute, pour frapper au cœur l'État islamique, M. Pozzo Di Borgo? C'est très difficile à dire. Simplement, je voulais rajouter, vous me dites si je me trompe, c'est Le Drian, notre ministre de la Défense, qui en commission nous rappelait qu'en Libye, il y a quand même 200 km de côtes qui sont contrôlées par Daesh. Donc ça doit éventuellement avoir des incidences sur un tiers du territoire. Et un tiers du territoire. Donc c'est quand même quelque chose de fondamental. Et je rejoins M. Richard, il y a des problèmes de sécurité intérieure, mais il y a aussi des problèmes de sécurité extérieure. Alors je ne crois pas qu'on puisse... Il faut s'interroger. Nous-mêmes, on n'a pas tous les éléments pour juger, je veux dire, sur ce qu'il faudrait faire dans ces zones-là. J'étais en Turquie pour observer les élections. J'ai vu un grand pays, très puissant,
et qui ne s'implique pas dans ce domaine-là. Or, ça serait à lui peut-être aussi de jouer un rôle important dans cette zone-là. C'est lui qui a la frontière, qui a toutes les frontières avec ce qui se passe. C'est une puissance extraordinaire. C'est une puissance démocratique. Et moi, je crois qu'on ne peut pas, nous, en tant que simples parlementaires, parce qu'on n'a pas tous les éléments, dire il faut faire ça ou faire ça. Je crois qu'il faut s'interroger. Il y a, moi, tel qu'on le voit dans la commission de défense, on va souvent avoir des problèmes. Est-ce qu'il faut qu'on ait du travail sur le sol? Parce qu'actuellement, on n'intervient que par le biais des avions. C'est vrai que moi, je vois les Kurdes que j'ai rencontrés, ceux qui sont venus mourir, il y en a 150 qui sont morts à Kobané, qui luttent contre Daesh, disent, nous, on aimerait bien qu'on nous aide au niveau militaire. On ne nous aide pas, on ne donne pas d'armes. Et c'est eux qui en prennent plein, vraiment. Et c'est eux qui sont les plus solides actuellement. Vous avez l'Iran. Alors le problème, il y a aussi tout un problème géopolitique entre l'Iran et ces pays-là. Quel est le rôle que joue l'Iran? Parce qu'en Koweït, qui est-ce qui est derrière tout cela? C'est un sujet qui est très complexe. Enfin, je parle de M. Richard, qui est peut-être plus aimant que moi. Oui. Donc c'est difficile de donner des solutions pour l'international. Justement, M. Richard, ancien ministre de la Défense, quand on a les éléments, on voit bien que la stratégie de bombardement sans hommes au sol, elle est pour l'instant inefficace contre Daesh? Non, elle n'est pas inefficace. Elle les a affaiblis à un certain nombre d'endroits et elle réduit leurs forces. Donc il faut certainement au moins la poursuivre. Mais il y a nécessairement un débat entre toutes les parties intéressées. Nous sommes assez nombreux et divers, malheureusement, pas forcément exactement les mêmes intérêts stratégiques, pour savoir quelles doivent être les étapes supplémentaires pour affaiblir plus ce dispositif criminel d'État. Et donc, avant de formuler, si vous voulez, l'idée d'une intervention au sol, je crois qu'il faut regarder quels sont les partenaires de la région qui sont en mesure de s'engager. Et dans ce que dit le collègue, évidemment, il y a le problème Turquie-Kurdistan. Donc, on ne peut amener les autorités kurdes, les autorités turques, qu'il y ait une recomposition politique ou pas, à s'engager plus que si on leur donne des garanties que ce n'est pas une façon de couper leur pays. Excusez-moi, messieurs, je vous interromps car on a des nouvelles informations sur l'enquête puisque le procureur de la République, François Molins, a donné une conférence de presse et il a donné des informations sur le profil du suspect. On l'écoute. Oui. Yacine S., né le 25 mars 1980. Il s'agit d'un individu qui travaillait donc dans cette entreprise de transport, père de famille, marié depuis plus d'une dizaine d'années, père de 3 enfants, aucune mention de figuration casier judiciaire. Et s'agissant enfin de sa connaissance par les services de renseignement, on peut dire tout au plus qu'il a fait l'objet d'une fiche S entre 2006 et 2008 pour des faits d'islamisme radical. Il avait depuis continué à attirer ponctuellement, entre 2011 et 2014, l'attention des services de renseignement pour ses liens avec la mouvance salafiste lyonnaise. Voilà pour ces dernières informations. Malheureusement, messieurs, c'est déjà la fin de cette édition spéciale. Évidemment, nous aurons le temps de réévoquer malheureusement ce triste sujet. Merci de l'avoir suivi. Pour aller plus loin, ne manquez pas demain à 22h le docu-débat sur l'État islamique. Excellente soirée à toutes et à tous sur les chaînes parlementaires.